Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut trouver des produits gagnants sur Amazon et qu'on peut les revendre directement sur eBay. Sans plus tarder, nous allons nous rendre directement sur le site amazon.fr vu que nous vendons sur la France. Je me connecte directement. Vous pouvez vous connecter vous aussi. Si au pire des cas, vous ne vous connectez pas, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez rechercher le produit dont vous avez besoin. Comme ça, une fois sur Amazon, voilà, nous sommes sur Amazon ici. Et voici les produits phares qui sont présentés ici. Nous, dans notre cas, ce n'est pas là où nous allons faire nos recherches. Nous allons nous rendre directement dans les meilleures ventes. Meilleures ventes, on clique sur meilleures ventes. Voici les meilleures ventes qui sont classées par catégorie. Meilleure catégorie en ce qui concerne l'informatique. Meilleure catégorie en ce qui concerne les DVD et Blu-ray. Et ainsi de suite, meilleure catégorie lumière. Vous savez que là, ça a du potentiel. C'est le moment qui est là. C'est le Q4 et on est à un mois, disons à 2 mois des fêtes de fin d'année. Donc directement, vous pouvez facilement lister ce genre de produit et vous gagnerez plus d'argent à ce faire parce que les livraisons, souvent en 2 semaines ou en 10 jours, pas de Amazon à eBay, mais de AliExpress à eBay. Lorsque vous trouvez un produit gagnant comme ça, par exemple celui-là, vous voyez, il coûte à 19,99 et il y a près de 4 260 commandes. Et là, vous voyez celui-là, c'est juste un drap et qui coûte 17,49 et il y a 11 000 commandes. Et voyez là, il y a 16 000 commandes. Vous pouvez directement prendre le produit, c'est-à-dire, on clique par exemple sur celui qui est là. Et on essaie de copier. On copie directement le test qui est là. Je fais copier. J'ouvre un autre onglet ici et directement, je mets AliExpress. AliExpress. Une fois que vous êtes sur AliExpress, change, je mets en français, enregistrer. Une fois sur AliExpress comme ça, je colle maintenant le test que j'ai copié qui était ici. Je le colle dans la barre de recherche et je fais rechercher. Le même catégorie. Et vous voyez à combien ça coûte ici. Voilà, c'est presque les mêmes, hein? Les 30 qui sont là. Les 30 mètres à 22. Et directement, vous regardez ici. Vous voyez. On augmente les options. Et comme ça, vous pouvez voir. Il y a d'autres qui vous disent livraison à 1 euro ou 3 euros et la date est plus proche. Vous voyez celui-là, il est à 39, ça coûte cher. Donc, dans 3 semaines, avec ce livret, vous pouvez le contacter directement, mais avant d'acheter, vous venez ici, vous regardez. Voilà, il a la moyenne et il est suivi par près de 15 000 personnes. Donc, c'est déjà un gros vendeur. Là, si vous voulez vendre directement, si vous voulez prendre et être livré du jour au lendemain, vous voyez ici, si vous achetez aujourd'hui, demain, vous allez être livré parce que la personne a le stock qui est directement en France. Voilà. Donc, du coup, on peut directement lister ce produit qui est là. Pour lister, je t'ai déjà montré, on va le refaire, même si ça nous prend du temps. Donc, je prends cette photo, je la dépose là. Je clique ici, je prends celle-ci, je la dépose.
Je prends la troisième, je la dépose. La quatrième, je la dépose. Cinquième, je la dépose. Et la dernière, sixième, je la dépose. Et une fois que c'est fait, j'ouvre directement Easy Cleaner ici. Et je copie tout. Je le mets directement dans Easy Cleaner et je clique sur Keep Clean. Comme ça, je vais nettoyer les photos pour enlever tous les cookies. Et directement, je supprime ceux-là et je renomme celle que je veux qu'elle soit la première photo. Celle-là, la présentation me plaît, donc je veux qu'elle soit la première photo. Je fais 1, 2. Trois, quatre. Pour faire ça, c'est juste cliquer ici, clic droit, faites renommer, renommer, voilà. Cinq et six. Une fois que c'est fait, on vient ici. Et on prend, comme je l'ai dit, on prend encore ce titre. Et je viens ici, je fais mes ventes. Je fais créer une annonce unique. Et je colle ici, je cherche. Continuer sans correspondant. Neuf. Et là, je mets les informations, ce qui concerne les photos d'abord. Bureau. Une. Voilà, je mets, voilà, le titre est déjà. Multicolore. Je vais mettre multicolore dans mon titre. Coller. Et c'est bon. Là, je fais décoration. Lumière. Je ne vais pas faire avec une variante, je vais seulement laisser sans variante. L'état neuf, c'est bon. Je viens, je copie. Je fais cela comme description de l'entête. Je peux la mettre en bold. Et je descends. Je viens ici. Je ferme là. Et je copie. Les petites caractéristiques qui sont là. Voilà. Copier. Je fais coller. Je reviens. Je prends description de l'article. Voilà. Je fais copier. Et je descends là. Je fais coller. Ça a pris par défaut. Donc, je fais CTRL Z pour revenir à zéro. Et je vais le mettre juste là. Sans le bold. Et je descends. Vous espacez pour que les gens puissent facilement lire. Je fais afficher toutes les options, comme ça je peux agrandir le test en mettant à 18.
14, c'est bon. J'enlève 7. Et celle-là aussi, je l'enlève. Je descends, je l'enlève. Comme ça, c'est facile à lire. Et une fois que c'est fait, directement, je viens par rapport au prix. Ici, il vend à 26. Donc, si je veux le faire passer rapidement, je mets 10 euros là-dessus. Je colle. Je mets à 37. Trente-sept, 97. Si ça a acheté, il sait que le lendemain, je vais livrer à la personne. Donc, je fais un jour. Expédier le lendemain. Voilà, mon annonce a été faite. Je viens regarder les photos. C'est bel et bien celle-là qui est la première photo. Voilà. J'ai fait mettre à jour. Caractéristiques, marque, sans marque. Voilà, l'annonce a été mise en vente. Si je veux créer similaire, j'ai fait annonce similaire et j'aurai juste à changer quelques informations en cliquant ici. Maintenant, si je veux voir l'annonce, je clique là pour voir comment elle affiche. Voilà l'annonce et voilà, c'est livré en 2 jours. Une fois que vous faites ça, forcez, vous aurez des personnes qui sont prêtes à acheter au lieu d'aller acheter à 15 sur AliExpress et attendre au moins 3 semaines pour recevoir. D'autres personnes peuvent acheter sur Amazon, mais chacun a sa familiarisation avec les marketplaces. D'autres personnes détestent les produits sur Amazon. Par contre, d'autres aiment les produits sur eBay parce qu'ils se disent que la plupart des produits qui sont sur eBay sont constamment des produits authentiques, c'est-à-dire eBay d'abord est fait à la base comme vintage. C'est juste pour vendre les objets originaux que nous avons chez nous, mais de bonne qualité. Donc, ça impacte si certaines personnes. Donc, du coup, ils se disent, je dois forcément acheter chez eBay car je sais qu'en 2 jours, j'aurai mon colis et le colis serait très bien, de très bonne qualité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était juste une vidéo pour vous montrer comment trouver un produit facilement sur Amazon et qu'on peut aussi prendre le titre et aller le chercher sur AliExpress et voir des personnes qui livrent rapidement. Si la personne livre en 10 jours, c'est bonne occasion. Vous pouvez directement mettre sur votre annonce sur eBay et mettre les 10 jours de livraison et réduire le prix par rapport à la concurrence.